Salut à tous, c'est Kishnifu et bienvenue pour le deuxième OEATJ, toujours avec un nom de merde. Ah tiens, un nouveau EATL machin bidule chouette là. Et c'est sur quoi? Les Wallons et les Flamands. Ok, j'en ai des bien bonnes là. Comme par exemple, comment est-ce qu'on fait entrer 12 Belges dans une deux chevaux? On lance une frite à l'intérieur. Alors aujourd'hui, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai bien pu apprendre, n'est-ce pas? Eh ben figurez-vous que des fois, les sujets viennent vraiment d'une manière conne. En fait, j'étais au boulot, tranquille, en train de faire mon travail. D'informaticien. Quand soudain, j'entends un de mes collègues parler des Wallons. Ah oui, et comment ça se fait que les Belges, ils enlèvent leurs lunettes lors des alcotests? Du coup, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Je me suis dit pourquoi on les appelle les Wallons, pourquoi il y a des Flamands. Parce que ça fait toujours deux verres en moins. Qu'est-ce qui a fait un moment dans leur histoire qu'ils ont été coupés en deux? Est-ce que c'était deux groupes d'amis, l'un qui vivait au nord et l'autre qui vivait au sud? Ils ont fait un petit pique-nique ensemble, et à un moment, il y en a un, il a pas voulu partager la frite avec quelqu'un d'autre. Du coup, ça a créé un conflit, ils se sont séparés, ils ont créé des alliances et ils les ont fait s'entretuer comme ça là. Du coup, voilà, je savais pas, il fallait que je sache. Ça me triturait l'esprit. Je pouvais même plus travailler. Du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et je sais pas pourquoi je fais l'égyptien. En fait, au départ, la France et la Belgique étaient gauloises. Lorsque Jules César est venu envahir ces régions. Puis, suite à une perte de puissance romaine, des Francs venus d'Allemagne se sont infiltrés en Belgique. Ils sont appelés des Francs, mais c'est pas du tout des Français. Les Francs sont majoritairement localisés au nord, tandis que les moins nombreux au sud adoptent la langue romaine, le latin. Ah ouais, pourquoi les Belges vont-ils toujours à la messe avec un verre d'eau? Apparaît donc déjà à cette époque-là, aux alentours du 4e siècle, ce clivage entre la Flandre au nord et la Wallonie au sud. Pour l'Ave Maria. Par la suite, le latin qui est influencé par le pays voisin se transforme en français. Mais il le devient surtout parce qu'à cette époque, le français est très populaire dans le monde. Et elle est parlée par la noblesse. Et c'est là où ça blesse. En effet, pour faire des études administratives, les Flamands doivent obligatoirement parler le français. Du coup, si on caractérise, les Français sont les riches et les dirigeants du pays, tandis que les Flamands sont les pauvres et les obéissants. Mais vient un événement qui va tout chambouler! La Révolution française. Le peuple de France se révolte, prend la Bastille, la ramène chez lui. Non, il prend les armes pour se lever contre le clergé et la noblesse qui ont tous les privilèges et font signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour qu'ils soient reconnus comme étant libres et égaux en droit. Liberté, égalité, fraternité. Oh, et comment on reconnaît un bébé belge de la maternité? Autrement dit, pour la toute première fois, le peuple se soulève et ébranle le Louis XVI qui est au pouvoir. C'est le seul qui a une frite en peluche. On va lui... Du coup, la Révolution française inquiète les autres États. La déclaration de Pilnitz invite tous les États à s'allier contre la France. Du coup, d'un côté, on a les rois et les monarques qui ont les chocottes, et d'un autre, les révolutionnaires qui souhaitent exporter leurs idées et libérer les autres peuples du joug des souverains et de l'aristocratie. Dans un premier temps, en 1792, les troupes républicaines françaises envahissent la Belgique, qui devient une partie de la France. Et pourquoi les Belges aiment-ils les vieilles maisons? Ce qui fait que le flamand est interdit dans la justice, l'enseignement et l'administration. Parce qu'elle s'effrite. Par contre, en 1815, Napoléon Ier, qui est l'actuel dirigeant de cette première république, subit une défaite décisive à Waterloo. Ce qui signe la fin du régime français en Belgique et la constitution du Royaume des Pays-Bas, constitué de la Hollande et de la Belgique. Cette fois-ci, c'est donc tout le contraire qui se passe. Le néerlandais est dorénavant la langue majoritaire en Belgique, même si le français reste quand même une langue importante au sein des communautés haut placées. Et 15 ans après, en 1830, rebelote. Mais pourquoi les Belges courent-ils après leurs écoles? Le néerlandais est trop peu compris par les Flamands et encore moins par les Wallons pour poursuivre leurs études. De plus, les Hollandais sont protestants et les Flamands catholiques, ce qui engendre au final la révolution de la Belgique qui obtient l'indépendance. Alors certes, ouais, ils ont l'indépendance, mais ça résout toujours pas les problèmes linguistiques. Pourtant, une loi stipulait qu'on pouvait parler la langue de son choix. Mais le français prédominait parce que, entre guillemets, il mettait tout le monde d'accord contre les différents dialectes flamands. Oh, et pourquoi un sous-marin belge a-t-il coulé? Et aussi parce qu'il marquait un clivage très important avec le hollandais. Parce que le capitaine a décidé de faire une soirée porte ouverte. Du coup, dès le lendemain de l'indépendance, toutes les écoles et les administrations n'utilisèrent que le français. Mais très tôt, et oui, encore un mais, les Flamands se sont battus, d'abord contre le fait qu'on n'utilise que le français, et ensuite pour défendre leurs droits. Du coup, ils prennent un peu l'exemple de la Révolution française, le peuple qui s'élève contre les hauts placés. Et depuis, eh ben le combat dure toujours. Même si les Flamands ont quand même remporté beaucoup de victoires pour récupérer leurs droits. Aujourd'hui, chaque région possède son gouvernement et son parlement. La Flandre est même économiquement plus avancée que la Wallonie, et souhaite même sa propre indépendance, ce qui mettrait à mal la Wallonie qui aurait du mal à y survivre. Mais pour les futurs événements, il faudra attendre. Ou grimper dans la DeLorean et la lancer à 88 miles à l'heure! Bon bah ça va être le temps pour moi de partir. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao!